ne peut pas éviter les bandes glissantes en tournant à droite. Et ensuite, cet îlot central qui est certes très esthétique, mais mal signalé car il n'y a pas de peinture blanche sur les bords et avec des cailloux. C'est un exemple d'aménagement qui peut occasionner de gros dégâts pour un motard. Bien plus dangereuses, les glissières de sécurité métalliques réputées pour être de véritables guillotines. Elles ont d'ailleurs probablement contribué à la mort d'un motard le week-end dernier. Encore plus choquante, la présence de ces mêmes glissières sur une route d'envergure. Le métal y est associé au béton. Ce qui nous choque le plus, ce sont vraiment les nouveaux aménagements qui sont faits sans prendre en compte la vulnérabilité des deux roues. C'est le cas notamment de la route des Tamarins avec l'absence d'une double glissière de sécurité. Mais pour Pascal, motard depuis 2 ans, nul besoin de livre noir pour citer les exemples d'aménagements dangereux sur les routes réunionnaises. Passage piéton, les anciens surtout, qui sont vachement glissants au niveau de la peinture, je sais pas c'est quoi. Mais quand vous prenez un virage un peu trop, peut-être vite, il y aura de la gamelle. Hein. Il faut rajouter à cette liste les plaques d'égout et les grilles d'évacuation d'eau de pluie, la déformation des chaussées. Également, ces plots en béton qui peuvent se révéler mortels en cas de chute. Les motards ont l'impression que la situation ne s'arrange pas au fil des années. Déjà dans les années 70, on parlait déjà de la peinture pour le sol, on parlait déjà des rails de sécurité. 30 ans plus tard, c'est toujours la même chose. C'est pas comme avant, parce qu'avant, il n'y avait pas de danger comme ça sur les routes. Mais là, en ce moment, pour les motards, c'est vraiment la galère. Hein. Danger potentiel ou avéré, les points noirs sur toute l'île sont recensés en 49 pages dans le document de la Fédération des motards en colère. Une liste appelée à évoluer continuellement grâce aux informations apportées par les motards eux-mêmes.